Bonjour et bienvenue les Guriens et vous qui passez par là, il y a longtemps que j'ai plus dit ça. Comme vous allez me demander ce que c'est, les Guriens, Solveig Guir, Guriens, voilà. Un moment c'était la mode. Bon voilà, donc je me suis dit tiens, il y a longtemps que j'ai plus dit ça. Bonjour et bienvenue, merci d'accueillir chez vous et nous allons faire la vidéo pour la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Breloque. Allez, on y va. J'ai pas pris de. Ah ben je vais prendre celui-là. Le petit jeu de Petit Lenormand. Un petit jeu, je prends celui-là. Allez, on y va les amis. Les breloques. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Et que la semaine qui va venir se passera très bien nous aussi. Allez, on se concentre les amis. Donc, wow, j'en ai mis beaucoup, hein, c'est beaucoup. Ok, bon, je vais s'ouvrir. Je vais mettre une carte du Petit Lenormand. Alors, je vous rappelle, finance, état d'esprit, santé, bien-être, vie sociale, conseil, foyer, carrière, amour. Tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, vous gardez votre bon discernement. Hein. Ça ne va pas parler à tout le monde, c'est normal. Je vais prendre une petite carte de cartomancie mini-mini. Mini-mini, bon, il y en a une qui est tombée là, ok. Voilà, je les remets dans mon champignon et on y va les amis. J'ai tout mis? Non, je voulais mettre, je vais pas tout mettre sinon on est là, enfin la semaine on est toujours en train de tirer les breloques. Donc là on met un petit dé du tarot. Et j'ai voulu le mettre là, je le laisse. Voilà, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, ça c'est les dominos. Non, voilà, on a trop d'énergie quand même. On y va les amis? On est prêts? Allez, comme d'habitude, on commence par les finances avec le 2 de deniers. Donc effectivement, le 2 de deniers nous parlerait éventuellement d'hésitation. Donc il est possible que cette semaine, vous soyez dans les hésitations par rapport à peut-être un contrat, en tout cas par rapport à quelque chose qui est d'aspect matériel, d'aspect financier. Donc peut-être que vous allez avoir un achat à faire ou à quelque chose à vendre, mais de toute façon, on dirait bien qu'ici, vous devez prendre une décision et vous ne savez pas très bien ce qu'il faut prendre comme décision justement. On a beaucoup de 4, pas beaucoup de 4. Nous avons le 4 de carreau et le chien. J'aime bien de les interpréter après parce que comme ça je peux les nuancer avec les breloques. Mais bon, ici donc on pourrait dire que nous avons un ami. Une personne qui tient à nous, qui va peut-être nous aider ou nous guider. On a besoin peut-être d'avoir un avis, on doit faire un avis puisqu'il y a des choix qui vont devoir être faits.
Et ces choix-là vont un ami, une personne fidèle, on va dire, qui vous est fidèle, pourrait peut-être vous aider. Ou alors, c'est vous qui allez aider à faire un choix à une personne, un ami, par exemple. Un amant pourrait devoir faire un choix, pourrait faire, devoir ou avoir envie de faire un choix. Avec le 4 de carreau, nous avons un héritage, on a la stabilité, l'harmonie. Donc je pense qu'on est dans une stabilité, donc on va trouver une stabilité financière parce qu'il y a de l'argent ou un bien qui va arriver. Et il y a ce côté, c'est peut-être ça va arriver certainement grâce à une personne à laquelle vous tenez. C'est une personne qui pourrait vous aider à acquérir, mais probablement une personne qui pourrait vous aider à faire des choix. Il est possible, comme on est quand même dans une côté héritage, stabilité, harmonie avec la 4 de carreau, on pourrait dire qu'on trouve un équilibre financier. Donc, on cherche, avec le 2 de denier, là, le 4, qui est le 4 de denier selon moi, donc on trouve vraiment un équilibre ici. Voilà. Alors, on y va. Conteneu. Il y a des grosses transformations. Il y a un coup de chance ici. Donc, il y a une chance qui va s'offrir à vous. Une chance va s'offrir à vous dans le domaine des finances, dans le domaine des biens. Et ça va vous faire épanouir. Il y a quelque chose qui va faire que... il y a quelque chose qui pourrait se transformer. OK? Donc, il y a quelque chose qui va se transformer d'ordre matériel. Donc, un changement. Waouh, encore. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter de la joie. Donc, on a un trèfle, on a deux papillons. Donc, c'est vraiment de la joie, une transformation, quelque chose qui va naître. Voilà, on est vraiment dans des nouvelles énergies. Peut-être justement grâce à cette situation financière qui se stabilise ou grâce au choix que l'on va pouvoir faire, grâce peut-être à un ami. On a un rendez-vous ici, donc on parle côté matériel, donc peut-être un rendez-vous pour parler affaires. Rendez-vous pour parler par rapport à l'argent, au bien. On a cet aspect amour. Je ne sais pas, ici, moi, je vois comme si il y avait comme un ange gardien, une personne qui nous protège, une personne qui peut-être n'est plus là, qui nous protège d'une manière ou d'une autre. Attention, parce que côté finance, il pourrait y avoir une personne mal intentionnée, qui va essayer de vous influencer ou de vous voler, ou en tout cas, c'est une personne, il y a une personne certainement qui vous jalouse ou qui convoite vos biens ou qui convoite justement ce que vous allez recevoir. Il est possible que ce soit par rapport à un héritage, donc l'héritage pourrait créer des jaloux, des personnes jalouses qui vont essayer de vous ennuyer. Alors, moi je ressens ici aussi ce côté manipulateur. Donc, soyez vigilant par rapport à tout ce qui touche à l'argent ou à tout ce qui touche à un bien, parce qu'on pourrait essayer de vous manipuler. Alors, j'ai un sport qui coûte cher ici. J'ai un sport qui coûte cher, mais voilà, j'ai un sport qui coûte cher. Nous avons une joie, nous avons des déplacements. Nous avons des déplacements... concernant, encore une fois, l'aspect financier, matériel, et nous avons de l'amour ici, donc il y a quelque chose qu'on peut faire en couple, quelque chose qu'on va faire en couple, donc on doit peut-être analyser le domaine matériel, les sous pour pouvoir voir si on peut faire ceci, faire cela, acheter ceci, ou est-ce qu'on ferait mieux de vendre, ou est-ce qu'on ferait mieux de louer, voilà, d'accord ? Alors,
Je vais interpréter mes cartes après. Nous allons vers une fête. On a des festivités. On a des festivités, des invitations. Non, c'est positif. J'ai un voyage. Alors, on va peut-être se rendre dans un pays assez... Bah oui, en même temps, on est pendant les vacances, donc pratiquement pour beaucoup. Donc effectivement, oui, j'ai un voyage peut-être assez lointain d'ailleurs. Et peut-être aussi qu'on va être invité à se déplacer. Attendez. Oui, on va t'inviter à se déplacer pour à assister à un événement. Et j'ai ici quelque chose, alors soit quelque chose de très chic, quelque chose de coûteux. Donc une invitation où vous pourriez vous rendre dans un endroit où vous pourriez louer une voiture, peut-être pour un certain temps, une voiture de très très luxueuse. J'ai cet aspect, pas spécialement m'as-tu vu, parce qu'on peut avoir une très belle voiture sans pour ça être un m'as-tu vu, malgré ce que les gens pensent. Ce sont les jaloux qui pensent ça d'ailleurs. Mais on peut, je vois quand même ici, soit on est bien, on se sent mieux, on est comme surélevé, on est comme sur un piédestal, mais on est bien avec soi-même. Donc ici, on a vraiment comme une... De toute façon, on a un ange gardien, donc on est bien avec soi-même, on est protégé. Et alors, c'est comme si, je vois moi ici, c'est comme si lors peut-être d'un trajet, vous allez être protégé, lors d'un, où vous allez être guidé. Donc, il y a quelqu'un qui va vous accompagner. Alors, lors d'un trajet, oui, ou lors de quelque chose que vous allez faire, que vous allez entreprendre, même si c'est mental. Donc, vous allez être dirigé mentalement par quelqu'un qui vous aime et qui veut vous protéger. On a encore un côté magique, un côté féerique, et nous avons, encore une fois, la protection. On a beaucoup, beaucoup de protection ici, les amis, pour cette semaine. Beaucoup de protection pour cette semaine. Il y a quelque chose qui s'arrête, attendez. Alors, on a peut-être une personne du passé qui revient, on a des nouvelles de quelqu'un. Ça peut être en rapport avec les sentiments, l'amitié, l'amour. Donc, on pourrait avoir soit des nouvelles d'une personne du passé qui a fait partie de notre passé, soit une personne qui vient parler d'amour, parler ou demander pardon, s'excuser, s'expliquer peut-être. Ou alors vous allez recevoir des nouvelles, mais je pense que c'est quand même positif, parce qu'on a le 3 de trèfle qui nous parle de réussite probablement financière ou par rapport au travail, mais on a c'est un tirage général, donc on a quand même la réussite. Donc il y a ici quelque chose de très positif au niveau sentimental, dans le domaine sentimental, amoureux, amical. Donc c'est très très positif. On pourrait aussi envisager un mariage. Avoir une demande. Enfin, voilà, il y a quelque chose de super positif ici. Alors, nous avons... J'ai beaucoup d'animaux. Pas beaucoup, non. Pas beaucoup, mais j'ai des animaux. J'ai quelque chose qui est en rapport avec la beauté, donc par rapport à votre bien-être, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir beau ou belle, parce que à l'intérieur, vous allez vraiment rayonner. Et quand on rayonne à l'intérieur, ben, automatiquement, ça se voit à l'extérieur. Donc on est vraiment dans ces énergies-là, on est aussi dans la fierté ici. Donc il y a quelque chose qui se passe et on va vraiment se sentir bien, on va se sentir fier. On peut se sentir fier parce qu'on va faire quelque chose, ou parce qu'on a fait quelque chose, ou parce qu'on a un beau projet. Donc on est quand même fier de nous, mais on pourrait aussi être fier de quelqu'un. Fier de quelqu'un parce que, on va dire, il y a ici une belle personne. C'est peut-être vous, ou belle dans les deux sens. Donc une personne gentille, une personne sympa, une personne qui est aidante, etc. Mais en même temps, on est fier parce que j'ai cet aspect beauté physique. Aussi, j'ai les deux. J'ai quand même ici un petit peu, on se pavane un petit peu. Donc, est-ce que vous allez aller quelque part où vous allez sortir du lot? Vous allez
changer de look, peut-être aussi. Si on décide de changer de look, on décide de. Ouais. Ça peut être aussi un concours de beauté. Ça, je sais, j'ai ce maintien fier, beau, le côté beau, le côté vraiment joli, esthétique, qui est là. Peut-être qu'après des hésitations, vous allez enfin, oui, après des hésitations, vous allez enfin vous sentir assez sûr de vous pour pouvoir évoluer dans un domaine qui vous est cher. Ok? J'ai le côté internet ici qui ressort fort fort. Le côté internet, encore une fois la protection. Donc il est possible que vous soyez aidé par une personne, peut-être qui est déjà partie, un grand-parent, peu importe. Et cette personne va vous aider à vous sentir beaucoup mieux. En tout cas, par rapport à la santé ou au bien-être, il y a quand même une forte forte amélioration. Oui, on est vraiment dans une belle amélioration. On a le lion, le valet de bâton. Le 7 de cœur et le bouquet. Donc, on est quand même. Le 7 de cœur, c'est un nouveau départ. Vous voyez, un nouveau départ, donc ça confirme bien. Ça peut être aussi une grossesse, une naissance. Nous avons le bouquet qui nous parle ici de bonheur matériel. Donc, on est quand même dans les très très positifs. On a le lion et le valet de bâton. Donc, le lion, la force, le pouvoir. C'est aussi le bien-être parce que voilà, on est dans la maîtrise, on maîtrise ses émotions, on est vraiment on peut évoluer, on peut avancer. Et en plus ici avec notre valet de bâton, on a un messager qui nous apporte de bonnes nouvelles. Probablement des nouvelles écrites, mais bon, il y a un messager qui nous apporte des nouvelles qui vont faire qu'on va encore se sentir plus fort, ou on va enfin se sentir plus fort. Et je pense qu'il est possible aussi. Ici, j'ai le bonheur matériel. Le bonheur matériel, peut-être on va gagner quelque chose par rapport justement à ce bien-être qui est en train d'arriver. On a aussi cet aspect comme si. En fait, moi, quand je fais des breloques, je ressens, c'est comme si on me parlait, comment est-ce qu'on dit? Télépathiquement, mais je comprends. Mais j'ai pas des mots. Il faut que je traduise avec des mots. Mais j'ai compris, mais il faut que je fasse sortir avec les mots. Donc c'est comme si j'avais des images. Voilà. C'est même pas encore ça, mais bon. On reçoit une image qui est très explicite et qui a des sous-entendus, mais qu'il faut traduire avec la parole. Donc on a donc cet aspect nourriture. Pas nourriture, oui, nourriture peut-être, mais on est nourri, on est sevré. J'ai comme un sevrage. Sevrage dans le sens où on est rassasié. D'accord? On est rassasié. Maintenant, il est possible aussi, puisqu'on est dans le domaine de la santé et du bien-être, que une addiction, donc il y a une addiction qui se termine, ou on fait des gros efforts par rapport à une addiction. Peut-être aussi que comme on est enceinte, ou comme il y a quelqu'un de proche qui est peut-être enceinte, on va faire des efforts justement pour arrêter une addiction, quelle qu'elle soit. Voilà. Mais on a de bonnes nouvelles qui vont nous apporter aussi du pouvoir et de la force. Une rencontre amoureuse ici, les amis. Une rencontre amoureuse, un rendez-vous, waouh, le trèfle. Donc on a une rencontre amoureuse, on a un rendez-vous éventuel. On a le joker. Ah, ben le joker, alors on va voir après pour l'interpréter. Je sais pas, voilà. On ne les laisse pas d'habitude, mais c'est pas grave. Donc, nous avons des amis. On est dans un monde féerique, on est dans un monde d'enfants ici. Je sais pas, peut-être on va aller dans un parc d'attractions, tout simplement. Mais nous avons ici, waouh, ces deux sorcières sur leur balai. On a vraiment ce côté féerique. J'ai Alice au pays des merveilles, j'ai la licorne. On est vraiment dans ces énergies. Ici, j'ai le fou. Mais justement, j'ai le joker. Si vous allez bien le voir. J'ai un joker aussi là-bas. Donc, qu'est-ce que ça va nous dire?
Ça va nous dire que pour moi, il y a quelque chose de magique, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose dont on ne pensait même pas que ça allait pouvoir arriver. Et ça va se passer, ça va se passer. C'est comme un rêve, c'est comme si on allait vivre un rêve. On pourrait aussi tout simplement se déplacer dans un lieu public ou faire une fête, vous savez, une fête pour les enfants. On fait enfin, Mickey qui vient pour les enfants, enfin, voilà, quelque chose comme ça. Donc ça peut nous parler aussi d'une baby shower, etc., etc. Mais j'ai vraiment un côté magique dans le sens magique, mais incroyable. Donc réel et incroyable. Et positif, évidemment. Oui, très positif. Ici, dans quoi, oui. On pourrait rencontrer l'amour dans notre vie sociale. Donc on pourrait rencontrer l'amour. On a un épanouissement amoureux amical, un bel épanouissement amoureux amical. Il y a quand même ici une personne qui pourrait être dangereuse si on s'en approche. La personne ne va peut-être pas s'approcher de nous. Mais peut-être que vous allez vous en approcher parce que vous allez penser que vous pouvez obtenir quelque chose, mais il faut approcher cette personne parce que peut-être pensez-vous que la personne va vous aider à voir ce que vous désirez. Et finalement, attention parce que c'est peut-être pas ce que vous pensez. Vous allez peut-être vous blesser à l'intérieur ou à l'extérieur, d'accord? Donc soyons vigilants. On a de l'aide, on a du soutien, on vous demande quand même de vous protéger. Donc, n'avancez pas n'importe comment. Et j'ai mes deux jokers, moi, ici, donc pour moi, il y a vraiment quelque chose d'incroyable. Le trèfle, le deux de coupe, mes deux jokers. On est vraiment dans une chance certainement extraordinaire, une chance vraiment, peut-être par rapport à l'amour, pour certains par rapport à l'amour, par rapport à une transformation et par rapport à des biens aussi. On pourrait aussi faire des nouvelles connaissances, des nouvelles amitiés aussi. Oui, on pourrait faire aussi une rencontre amoureuse, peut-être aussi amicale. Et on est quand même ici dans le positif. Il y a juste cette petite breloque là qui me dit « Attention, si tu t'approches de trop, tu vas te faire piquer. » Il y a le 8 d'épée. Donc, on est dans la manipulation. On n'arrive plus à avancer. Mais c'est peut-être que c'est nous-mêmes qui nous bloquons. On est dans un blocage mental, peut-être. On est... Ouais, oh, blocage mental. Bon, moi, ici, j'ai quelqu'un qui est bloqué, qui est tout simplement, si je puis dire, une personne qui est bloquée par quelqu'un. Donc, ici, il y a une personne qui est... Ah oui, on pourrait avoir une personne qui est tout à fait privée de liberté, sans justice, mais aussi, j'ai une personne qui se fait manipuler et qui n'a plus son libre arbitre, qui n'a plus son choix, j'ai des menottes. Les menottes et le 8 d'épée, on pourrait dire, c'est vraiment ici, oui, le blocage mental avec le 8 d'épée, mais j'ai les menottes. Donc, ou peut-être qu'on se bloque nous-mêmes en pensant que on n'ose pas faire certaines démarches parce que notre compagne ou notre compagnon, ben, ça ne va vraiment pas aller. Si on le fait, ça ne va vraiment pas aller. Mais on a quand même ce côté mental, donc peut-être qu'il y a une possibilité quand même de pouvoir se dégager. Ok. On a quand même la stabilité et la sécurité ici, avec notre 4 de trèfle. Et on a les nuages, donc des ennuis, des soucis qui vont ne faire que passer. Ils ne feront que passer. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on conseille ici?
Moi, j'ai un dîner d'affaires. J'ai un dîner d'affaires. J'ai une signature. Une signature qui va pouvoir se faire. J'ai aussi quelque chose. Alors, oui, c'est comme. Il y a plusieurs choses. Donc, on va signer un contrat, on va signer un document qui va concrétiser quelque chose, qui va nous stabiliser. Hein. On va vers une stabilité. C'est l'encre. On va vers une stabilité, professionnelle. Oh, j'ai cette stabilité aussi par rapport à une passion. Beaucoup la musique ici, mais bon. Une passion, quelque chose qui vous passionne et qui va peut-être, vous allez peut-être pouvoir en vivre, du coup, ou vous allez peut-être pouvoir vendre certaines choses, ce qui va vraiment vous stabiliser, peut-être financièrement, peut-être aussi dans votre... Vous allez peut-être pouvoir... comment est-ce qu'on dit? Pamoiser, je ne sais plus. Vous savez, être fier, quoi. Parce que justement, il y a quelque chose qui évolue parfaitement ici. On va signer des papiers, c'est en train de se faire. Oh, on a un diplôme. J'ai un diplôme, j'ai une réussite. Une réussite. Je vais mettre là parce que je vais faire basculer. J'ai vraiment pas envie de ramasser mes breloques après. Donc, on a la réussite, on a le diplôme. Donc, on est vraiment dans la signature, dans un rêve qui se réalise, des études, donc une formation qui est réussie. On a ici le bonheur, comment on dit, le coup de chance, la protection. C'est vraiment, oui, on a vraiment la protection qui nous donne le bonheur, qui nous donne de la chance, du soutien. Et on va aussi évoluer grâce à ses capacités, certainement des capacités d'études. Donc, on refait une formation ou on vous conseille de faire une formation pour arriver à ce que vous voulez. Ça nous parle ici de temps, donc de temporalité. Ça va dépendre de chacun. Il y a quelque chose, soit vous devez encore attendre un petit peu, soit ça va aller très vite. Il y a une personne qui va vous avertir de quelque chose. Donc, quelqu'un va vous dire quelque chose. Ou alors, on va sonner, c'est comme si on allait tirer la sonnette d'alarme. Donc, j'ai envie de dire, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de quelqu'un qui va vous dire quelque chose. C'est comme un avertissement, plutôt. Un avertissement. Oui. D'accord ? Soit pas pour tout le monde, encore une fois, mais... Voilà, soyez quand même vigilant à ce que les gens pourraient vous dire, à ce que quelqu'un pourrait vous dire. Et avec toutes les breloques qui sont ici, je pense qu'il y a quand même un blocage mental, peut-être parce qu'on n'a pas encore des réponses à des questions. On n'a pas encore des réponses à des questions, mais c'est en train d'arriver. Et vous n'arrivez peut-être pas à vous enlever de la tête, vous avez des pensées, vous n'arrivez pas à vous sortir ça de la tête. Donc quelque part, on est un peu bloqué parce qu'on pense tout le temps à ça. Et quand on pense tout le temps à quelque chose, on bloque la situation. Donc si vous êtes en train de penser, oui, mais quand est-ce que ça va m'arriver? Et quand est-ce que je vais enfin pouvoir faire ceci, cela? Ben, si vous bloquez, ça n'arrivera pas, ou ça arrivera vraiment très très lentement. Mais, donc il faudrait pour vous, si c'est possible, faire la part des choses, et vous arrêter de vous prendre la tête, et arrêter surtout, si c'est le cas, de vous laisser manipuler, parce que c'est votre mental, parce que vous avez peur, parce qu'on vous dit des mauvaises choses, parce qu'on vous, on vous menace. Oui, mais attention, si tu fais ça, si tu dis ça, si tu t'en vas, moi j'ai une emprise sur toi. Donc, du coup, le mental, on est en blocage. Oui, mais si je le fais, il va aller dire ceci, elle va aller dire cela. Voilà. Mais avec toutes les cartes positives, enfin toutes les breloques positives que nous avons ici, s'il y a des soucis qui doivent se faire à cause justement d'une décision que vous allez prendre pour retrouver une liberté, ça ne va pas durer. C'est quelque chose qui ne fait que passer. Alors là, j'ai un message qui me vient. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à... Si c'est vous qui le dites ou si... Enfin, voilà. Je dis cette phrase simplement. La vengeance est un plat qui se mange froid.
Voilà. Je vous le dis, pourquoi ben, la personne à qui ça va parler, ben, le sourd. Alors, il y a le foyer ici, hein. Les poissons, le roi de Denier, mais c'est pas Denier, c'est le roi de Valais, qui va nous parler ici d'une personne d'une autre nationalité, qui va nous parler de changement. Effectivement, on a un changement, on a l'as de bâton, donc on est dans quelque chose que l'on construit. On a le foyer, on a la construction d'un foyer, au sens propre comme au sens figuré. On a aussi le côté indépendant, on va travailler de la maison, on va travailler en famille, on va travailler on va gérer une entreprise, on va gérer, on va pouvoir prendre aussi une décision de changement. On pourrait déménager du coup. On pourrait déménager, aller à l'étranger. Le roi de Denier, c'est aussi un étranger ou l'étranger. Donc on est quand même dans des énergies peut-être de déménagement, de changement, de déménagement. Alors celle-là est à cheval, regardez, avec là c'est la carrière, je crois. Oui. Nous avons notre dame de trèfle ici. Qui est vous, monsieur, ou vous, madame, normalement, mais vous, monsieur, puisqu'on est en tirage général. Donc, on est bien, il s'agit de vous qui regardez la vidéo. Et il y a quelque chose qui change par rapport au travail, à la carrière et au foyer. Alors, c'est peut-être tout simplement, on arrête de travailler, on change de statut, on devient indépendant alors qu'on était salarié. Ça peut être quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui pourrait changer. Et ça changerait aussi peut-être ce que vous vivez au quotidien dans votre foyer, dans votre couple, dans votre ménage, dans votre maison. On pourrait aussi dire qu'on déménage, il y a un changement. Oui. Il y a quelque chose qui pourrait changer. C'est en rapport avec le foyer et en rapport avec le travail et aussi par rapport la création d'une passion, par exemple. Oui. On a le côté de maternité, enfant, par rapport à la famille, ici. On a une belle protection familiale. On a aussi, on maîtrise la situation, on peut aussi recevoir des leçons, mais c'est dans le sens positif. Donc, on va peut-être vous expliquer quelque chose. Alors, essayez d'écouter, d'entendre, mais surtout d'écouter ce qu'on veut vous dire. Mais peut-être aussi que c'est vous qui avez envie de dire quelque chose, par exemple, à vos enfants. Et vous auriez envie que vos enfants vous écoutent. Ben, c'est pareil. Si c'est un parent ou si c'est quelqu'un de très proche qui vous dit quelque chose, pensez que c'est peut-être qu'un jour, vous ferez aussi... vous donnerez peut-être vous aussi une explication à quelqu'un de proche. Donc écoutez au moins, écoutez au moins. Après vous faites ce que vous voulez. Oh, j'ai vraiment une naissance ici, j'ai vraiment une naissance, une grossesse. Oui, j'ai une grossesse. J'ai la lune, ça va, voilà. J'ai la lune, donc j'ai l'étoile. Donc ici, on est sur un bon chemin. J'ai aussi, si on a une grossesse avec la lune, c'est une fille, mais bon, ça, voilà. Là, j'ai encore une lune avec une étoile. Bon, le foyer, là, il est super protégé. On a de l'amour. On va décider peut-être de faire du sport ensemble. On a une belle protection aussi, ici. Protection dans le foyer. Alors, on est dans une évolution très agréable au foyer. On vous demande, pour certaines, on vous demande de ne pas baisser les bras, de continuer de travailler sur ce que vous désirez avoir, parce que vous allez l'avoir, mais il ne faut pas baisser les bras. Donc par rapport à la famille, par rapport à votre foyer, par rapport à une maison que vous voulez acheter, ne baissez pas les bras, vous l'aurez. Mais si vous baissez les bras, vous n'aurez rien du tout. C'est marrant parce que on est quand même dans le côté
création, passion. Ici, j'ai le côté sportif. J'ai le côté sportif, famille. Peut-être qu'on va essayer, on va s'adonner un nouveau sport. Ou un enfant ou un parent va, oui, un nouveau sport, on va peut-être, où on évolue dans le sport. On peut faire aussi du sport ensemble, mais pour moi, j'ai ce côté passion qui est vraiment très très important dans le foyer ici. Et on a aussi des révélations. On a aussi des révélations. Attendez. On est super protégé, hein. Le foyer, là, il est protégé, protégé. Mon Dieu. Le foyer et le travail, la carrière, c'est protégé aussi. On a une promotion qui va aller à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année. Donc, on est peut-être sur un travail de... Qu'est-ce que j'ai dit? Progression, hein. De progression. Donc, d'élévation. Foyer, famille, travail, carrière. Quelque chose de... Wow. J'ai le soleil du coup. Donc j'ai le soleil et j'ai la lune. J'ai plus de lune. Donc c'est marrant parce que c'est comme si on avait des jumeaux ici. Ça me parle de jumeaux, de jumelles. Et du coup j'ai le soleil, donc j'ai le garçon aussi. Voilà. Mais j'ai le soleil aussi à cheval sur le foyer et sur la carrière. Donc quelque chose de un bonheur. Quelque chose. Alors ça peut être aussi une révélation. Une révélation par rapport à la maison, par rapport au foyer. Mais pour moi, c'est vraiment du bonheur. On va vous guider, on peut vous guider. On pourrait aussi, vous pourriez aussi aller voir une personne qui pourrait vous conseiller, comme un peu l'ermite. L'ermite, c'est une lampe. Alors, il y a une solution, il y a une solution qui touche le cœur, donc une solution amoureuse, sentimentale, une guérison. Du cœur dans votre famille. Ça peut être une réconciliation familiale avec des parents lointains, mais c'est une solution, quelque chose qui se concrétise ou qui enfin qui s'arrange, qui pourrait s'arranger aussi. Je sais pas, ici j'ai l'automne, donc j'ai ce côté automnal qui est en train d'arriver, enfin qui est déjà là. Mais peut-être que vous ne le savez pas encore. Donc, je pense que cette semaine pourrait être décisive par rapport à un événement qui se passera en automne. Par rapport à votre carrière, il y a des choix qui vont être faits. Vous allez avoir des choix qui vont pouvoir se faire. Waouh, on a le pape. Donc, notre pape ici, c'est aussi la signature de contrat. C'est le pape, c'est le côté administratif, c'est le côté aussi intuitif, mais le pape, il concrétise, il scelle, il scelle quelque chose. Donc, il y a vraiment un choix qui va se faire, qui va être concrétisé, qui va vraiment se faire, en principe, hein, je vais regarder les autres, mais, donc on a une signature de contrat, mais il y a un choix à faire. Moi, j'ai envie de dire, faites le bon choix. Je vais retourner de l'autre main, j'aime mieux. On a le 6 de pique, attention. Oh, attendez, il y a des disputes, peut-être des conflits passagers. Ah oui, peut-être des conflits passagers par rapport à la carrière, parce que peut-être jalousie. Jalousie, parce que vous allez avoir une proposition de contrat que quelqu'un d'autre aurait voulu avoir. On a une stabilité. Alors, j'ai aussi le côté famille. Le côté famille et travail. Ah, on pourrait aussi se marier et travailler avec son mari ou sa femme. Ou avec les parents, les beaux-parents. Donc, reprendre. Ah oui, on pourrait aussi reprendre une affaire familiale. Ah oui. On pourrait reprendre une affaire familiale ou créer une entreprise en famille. Ça peut être aussi la création d'une nouvelle entreprise. On est dans la stabilité de la carrière. On a une carrière qui se stabilise. Donc, on a le travail qui se stabilise. Et on est récompensé. On est récompensé. Donc on a des promotions deux fois. Donc on est récompensé. On pourrait aussi être. On pourrait aussi arriver à la fin de carrière. Donc on pourrait avoir une médaille. Je ne sais pas si ça se fait toujours d'ailleurs. On pourrait avoir un cadeau de l'entreprise. Ça non plus, je ne sais pas si ça se fait toujours. En général, les entreprises, elles ne tiennent pas jusqu'à la fin de sa carrière. Mais bon.
je souhaite. Mais peut-être que vous avez fait toute votre vie dans la même boîte et que là, vous allez être récompensé. Nous avons le côté Internet, notre travail à la maison. On va peut-être vous demander de travailler avec Internet, peut-être un peu plus ou différemment. Ou vous n'avez jamais travaillé avec Internet, vous n'avez jamais travaillé sur un ordinateur. Enfin, vous n'avez jamais vraiment fait un travail qui demande un ordinateur pour travailler. Vous avez peut-être travaillé plutôt manuellement. Et là, on a maintenant ce côté Internet, je vais dire. Et là, oui, on a quelque chose qui se termine. Quelque chose qui se termine, mais on est, oui, on a les honneurs ici, les honneurs de la carrière, pour certains. Donc on est aussi dans le départ, on est dans les honneurs par rapport à sa carrière, on est dans la formation d'une entreprise, on signe des contrats, on fait des choix, mais ici, ça nous a, on est donc dans des disputes passagères. On a aussi le nuage, donc le nuage, c'est des troubles passagers. Donc ici, on est le nuage ne fait que passer, donc les soucis ne font que passer. Et ça peut aussi nous parler de... Parce que justement, c'est tellement beau apparemment ici, par rapport à la carrière, qu'il y aura de la jalousie qui pourrait vous troubler. Mais ça ne va être que passager de toute façon. Mais voilà. Et on a vraiment des récompenses. On a des récompenses. Ça peut être aussi effectivement le diplôme de fin d'études qui va nous permettre d'évoluer dans une carrière. C'est un nouveau choix de carrière et c'est le bon choix. J'ai envie de dire, ce sera le bon choix. Alors, nous avons l'amour. On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, il nous parle ici de compétition et de lutte. Donc, on est dans la compétition, dans la lutte amoureuse, sentimentale. Donc, le côté amour, c'est amoureux, oui, mais c'est aussi sentimental, d'accord? Waouh, mais j'ai des étoiles, moi, ici. Hein, j'ai plein d'étoiles. Donc... vous devez peut-être vous justifier. Vous avez peut-être besoin de vous justifier. J'ai une église, moi, ici. J'ai un mariage. Une église ou peu importe, un bâtiment, un autre bâtiment qui pourrait concrétiser un mariage. On est dans la compétition, mais aussi dans le soutien. Non, pardon, dans la communication. Qu'est-ce que je raconte, compétition? Dans la communication et dans le soutien avec le 7 de trèfle. Si j'ai dit compétition, c'est que ça devait sortir. Donc, peut-être qu'on est dans la compétition. Mais on va vers quelque chose de très, très, très positif, puisqu'on a l'étoile. L'étoile qui nous protège, l'étoile qui nous guide, l'étoile qui fait que... Alors, ça peut aussi parler d'Internet, hein, l'étoile. Donc, voilà. Nous avons quand même trois étoiles. On a vraiment quelque chose qui évolue, très, très, c'est très positif. Vous allez peut-être devoir vous justifier dans le domaine amoureux, sentimental, où vous avez l'impression de devoir vous justifier. Je ne vais pas vous dire de le faire ou pas, ça va vraiment dépendre de chacun ou de chacune, de chaque cas. On a des échanges, on va avoir des rendez-vous, on va avoir des rencontres. J'ai des rencontres via l'Internet, j'ai aussi des rencontres via un rendez-vous où on va se croiser dans la rue, on va parler. Donc on pourrait aussi rencontrer quelqu'un en parlant dans la rue. On pourrait aussi assister par exemple à un mariage et faire une rencontre. Moi j'ai une rencontre qui pourrait se faire. Oui, j'ai un mariage, j'ai aussi quelque chose de très beau. Qui va nous diriger vers la concrétisation d'une union. Ça peut être aussi par rapport à l'amitié, d'accord? Mais en tout cas, c'est très beau.
J'ai un voyage de noces, j'ai un voyage avec son amoureux ou son amoureuse ou avec quelqu'un que l'on aime, mais avec qui on n'est pas spécialement en couple avec la personne, pas encore peut-être, mais j'ai un voyage où on va, ah oui, on pourrait aller voir quelqu'un aussi, ou rencontrer quelqu'un qui est loin, on va aller en vacances, on pourrait rencontrer quelqu'un. Mais ce sera quelque chose, c'est pas, ce ne sera, normalement ce ne serait pas, oui, on aura évidemment, mais ce ne sera pas une histoire d'amour de vacances, ce sera juste, ce sera pas, ce sera une rencontre qui pourrait durer, d'accord? Donc vous pourrez rencontrer quelqu'un loin, plus ou moins loin, avec cette breloque, hein, avec les autres breloques, on n'a pas besoin d'aller loin pour parler, pour rencontrer et pour se voir, bien évidemment. Mais ça, j'ai l'avion, donc notre avion ici, ça nous parlera évidemment dans le domaine amoureux et sentimental, ça nous parle d'un amour à distance, ça nous parle d'aller voir son amoureux, son amoureuse, de partir à l'étranger et de rencontrer l'amour. Ça pourrait aussi nous parler de quitter, peut-être provisoirement, son amoureux, son amoureuse. On est peut-être obligé de faire un trajet sans son partenaire ou sa partenaire. On a... avec les breloques que j'ai, c'est positif. Donc peut-être qu'il va y avoir peut-être un petit peu de tristesse parce que peut-être que vous êtes très très jeune, vous êtes ado et que vous devez partir en vacances avec les parents, par exemple. Donc vous laissez le petit copain ici. Alors, on a une solution, on a une guérison, on a une solution, une réconciliation amoureuse. On a des réponses à nos questions. C'est important. On a des réponses à nos questions dans le domaine sentimental. On a beaucoup d'échanges. Hein. J'ai des échanges avec Internet. J'ai des échanges avec le téléphone. J'ai des échanges avec la parole. On va parler de vive voix, hein, de tête à tête. Rendez-vous peut-être. Et... On va se parler, mais par l'intermédiaire d'un... Bon, on n'est plus rien qu'au téléphone. Maintenant, on peut se parler avec le téléphone, mais aussi, on peut se parler avec Skype, qui commence à être dépassé aussi, apparemment. Mais voilà, vous voyez des applications. Mais c'est plutôt là, c'est plutôt... On peut se voir, bien évidemment, mais on va se parler de vive voix. Mais on ne sera pas l'un en face de l'autre. Si, j'ai les oiseaux, donc on va aussi se parler, ça va vraiment dépendre de chacun. Hein. Mais donc j'ai plusieurs, pour plusieurs d'entre vous, il y a chaque fois quelque chose de différent. Il y a un parmi vous, non, il y en a plusieurs parmi vous, vous allez faire une rencontre à l'étranger, plusieurs parmi vous qui avez un rendez-vous où vous allez rencontrer la personne physique et vous allez parler. Vous allez peut-être recevoir un coup de téléphone ou un échange par rapport à une application ou par rapport à un site, et vous allez échanger avec quelqu'un. Alors, soyez quand même méfiants, hein. Quand on ne connaît pas les gens, soyons méfiants, mais bon, voilà. Moi, je vais vous dire un truc. Le papa de ma fille, je l'ai rencontré le samedi, et le dimanche, on s'est mis en ménage, et on est resté 18 ans ensemble. Donc, on peut dire qu'on ne connaît pas les gens. Moi, j'ai tenté ma chance, mais je savais évidemment que ça allait aller, je savais, mais vraiment. Donc, parfois, et c'est de ma faute si c'est fini, sinon, voilà, ça a été de ma faute, mais à culpa. Mais pour vous dire que parfois, on dit, ouais, mais tu ne le connais pas, ça fait à peine un an que vous sortez ensemble, vous allez vous marier. Moi, c'était samedi, on s'est mis en ménage le dimanche, et on... Voilà. Donc, on est heureux, on a de la joie. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que, oui, parfois prenez vos décisions avec votre cœur, mais soyez quand même vigilants, d'accord? Soyez quand même sur vos gardes. Parce que moi, de mon temps, on n'est plus à ce temps, on n'était pas comme maintenant. Maintenant, il y a quand même peut-être un peu plus, il y en avait déjà, bien sûr, mais on est peut-être un peu plus dans le danger ici, hein. Moi, on ne faisait pas des rencontres via Internet, etc. Ça ne voulait rien dire. Hein. On pouvait aussi foirer, mais bien évidemment, en se connaissant pas. Hein. Donc voilà. Mais voyez ça. Parfois, on dit toujours, oui, mais ben non. Moi ici, j'ai envie de dire,
Non, vous pouvez rencontrer quelqu'un aujourd'hui et faire votre vie avec. Tout à fait. Dès demain. Ou dès aujourd'hui. Mais bon, soyez quand même, soyons vigilants. Hein, je ne vais pas vous inciter à faire ça. Et on a la liberté. On a une liberté retrouvée ici. Dans l'amour, on a une liberté retrouvée. Vous allez peut-être devoir aussi justifier vos actions par rapport à un choix que vous voulez faire. Vous voulez faire un choix que personne ne va comprendre, mais vous, c'est votre choix. Donc, vous allez peut-être devoir vous justifier. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui pourrait reprendre fin d'année ici. Wow. Et les amis, j'ai eu des carrosses. On a l'amour, on a encore l'amour, on a la transformation positive, on a la protection, on a le travail dans le sens où il y a quelque chose qui doit être coupé. Une jambe. Non, je rigole. Non, il y a quelque chose qui doit être coupé. Alors, pour vous protéger, vous devez enlever ce qui vous touche et ce qui est périmé. Donc, je pense ici qu'il y a des choses, même peut-être par rapport à vous-même, vous devez peut-être arrêter de faire ceci, arrêter de penser cela, parce que ça, mais c'est pas bien. Mais j'ai vraiment que cette breloque-là qui est... C'est même pas moche, c'est juste un conseil, un avertissement. Mais il y a quelque chose que vous devez, que vous allez devoir, peut-être c'est pas, vous ne le savez peut-être pas encore, vous allez savoir dans peu de temps, il y a quelque chose que vous devez absolument enlever. Vous devez absolument... Alors c'est peut-être aussi dans le domaine de la santé, tout simplement. On doit se faire absolument enlever la dent de sagesse, parce que sinon, on peut avoir des problèmes. Je dis pas ça en riant, mais bon, parce que je connais une dame qui s'est fait enlever une dent de sagesse, qui est à l'hôpital, elle a été trépanée parce qu'il y a quelque chose, je sais pas si c'est le dentiste, mais qui a été dans son cerveau, la peau, mon Dieu, enfin. Donc pour vous dire que parfois, chez le dentiste, on peut se retrouver dans un centre de réhabilitation. Bon, pas pour ça que ça va arriver, parce que je pense à ça, voilà. Donc je dis, si vous devez vous faire enlever quelque chose avec quelqu'un, ou si vous voulez enlever vous-même quelque chose de votre corps, faites-le, mais il n'y a rien de mauvais ici, donc faites-le avec prudence quand même, hein, désaffecté, etc., etc. Mais il y a quelque chose, ou alors vous devez couper une branche qui va tomber, vous devez rompre avec quelqu'un, mais ce n'est pas une rupture sentimentale. Hein. Ce n'est pas une rupture. Il faut enlever quelque chose. Il y a quelque chose à enlever. Il faut dégager quelque chose. Il faut élaguer. Il faut élaguer, vraiment. J'ai un arbre, donc... voilà les amis. On a une belle protection, on a l'amour, on est toujours dirigé. On a aussi la richesse ici, la richesse extérieure. Mais on a des félicitations, on a de l'amusement, on a de la joie, on a ce côté de cuisine aussi. On va cuisiner, on va être peut-être invité chez quelqu'un. C'est pas spécialement une sortie de restaurant, quoique, il pourrait aussi y en avoir. Mais je peux dire ça c'est pour tout le monde tout le temps. Mais ici, j'ai peut-être une représentation... une représentation familiale. Donc peut-être que vos enfants vont vous faire une surprise et ils vont faire un petit spectacle pour vous. Non pas à l'école comme tout le monde le fait, comme les petits le font fin d'année, ou les grands, je ne sais même pas. Mais bon, voilà. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment une organisation en famille avec un gâteau fait maison, ou on fait ça à la maison, ou on va chez quelqu'un, on est invité chez quelqu'un. Et c'est quelque chose de très gai, de très agréable. J'ai vraiment ce côté festivité, danse, musique,
changement, enfin, voilà. Et ça pourrait être organisé par des jeunes ou par des enfants. Ou vous allez organiser quelque chose avec des enfants. Ou pour, vous allez organiser quelque chose pour des enfants. Voilà, les amis. Bon. J'en ai fini avec mes breloques. Si vous voulez, on fait le petit oui ou non. Sinon, on en reste là. Je vous souhaite une très belle semaine, les amis. Et plein de bonheur pour vous. Maintenant, on va faire le oui ou le non. Pour ceux qui veulent apprendre toujours. Apprendre toujours au sens... au cinquième degré, quoi. Donc, posons notre question. Question fermée. Question qui demande un oui ou un non, qui va avoir un oui ou un non comme réponse. Donc ne demandez pas une question, ne posez pas une question à choix multiple. Posez une question qui va avoir oui ou qui va avoir le non comme réponse ou qui n'aura rien du tout en vous. Ah, ici, on a une très bonne nouvelle qui arrive. On a le jardin et les oiseaux. Donc ici, on a une très bonne nouvelle. On a une évolution. Il y a quelque chose de très, très positif qu'on va vous dire, que vous allez dire. Quelque chose de... Waouh, c'est une évolution. C'est du succès. C'est des... Du succès, c'est de la popularité. Des choix qui vont faire... Vous allez faire des choix qui vont vous rendre heureux. On est quand même dans des échanges... Très, très positif. Allez, on va prendre 12 cartes. Donc, si l'anneau sort, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. Et on va faire... On va taper, on va faire la coupe. Les cartes qui tombent et 13 cartes. Si ce n'est pas dedans, alors c'est ni oui ni non. C'est aucun des deux. Vous prenez ce que vous voulez. Mais de toute façon, vous prenez ce que vous voulez. Allez, le cœur et le vaisseau. Vous voyez, j'ai encore une fois un amour à distance. Un amour avec une personne... d'une autre nationalité. On va retrouver un amoureux. Vous voyez ? Voilà. Allez, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13. On n'a pas du tout de croix ni de anneau. Encore, ils sont encore une fois là derrière l'autre. Il me semble que... Attends, je m'en suis sorti de ce jeu-là. Voilà, donc ça n'est oui ni non. Allez, une petite lecture rapide. Alors, ça peut être des addictions. Par rapport au foyer, j'ai envie de dire, il y a une possibilité aussi, ça peut me parler aussi d'addiction, d'accord ? On a les poissons, où on va être indépendant, on peut s'installer indépendant. Alors, il y a quelque chose de nouveau ici, quelque chose qui va commencer. Pour monsieur, le consultant, il y a quelque chose de nouveau que monsieur va commencer. Ça peut être un nouveau travail, mais ça peut être aussi, le fait d'une garde d'enfant. Donc, quelque chose qui va arriver à monsieur qui pourrait être par rapport à la garde d'un enfant. Donc, stabilité. Attendez. On peut perdre la garde d'un enfant. Monsieur va pouvoir peut-être... Monsieur avait la garde d'un enfant et là, maintenant, ça en est terminé. On a pris un avocat. Il y a un avocat ou un juge ou je ne sais pas qui va prendre la décision que l'enfant... C'est contradictoire quand même parce que on a l'enfant, on a le... Ici, dans le sens enfant, hein, je prends, parce que la carte de l'enfant ne veut pas toujours dire enfant. Mais oui, j'ai quand même un monsieur qui tient à son enfant ou à ses enfants. Et puis, c'est comme si il va se passer un truc et ça va cesser. Ou le monsieur, alors ça peut être aussi une madame, si je ne l'ai pas. Non, ah si je l'ai, ok, on va voir. Donc ce monsieur ici, qui pourrait aussi tourner la page... sur sa famille ou sur ses enfants. Mais nous avons aussi quelque chose de... une stabilité. Monsieur commence
à faire quelque chose en tant qu'indépendant, c'est quelque chose qui est stable, qui est très positif, et pourtant on prend la décision d'arrêter. Ou alors tout simplement on est en âge d'arrêter, on a commencé quelque chose, on ne va pas aller jusqu'au bout, ou alors on est en phase de fin de carrière, et donc là on tourne la page et on en termine. J'ai aussi le côté, ah oui, on a le côté stabilité professionnelle par exemple, et on va décider de ne plus aller au travail et de travailler à la maison, de la maison. Alors, attention, vous pourriez prendre des décisions par rapport à votre maison, par rapport au bâtiment ou par rapport au foyer. Vous pourriez prendre une décision, vous le savez, donc réfléchissez, c'est l'avantage de le savoir. Cette décision pourrait vraiment vous apporter des gros ennuis, des gros soucis. Et là, j'ai quand même monsieur et madame qui se regardent. Hein. Donc, c'est par rapport au couple ou par rapport à quelque chose qui se passe dans le couple, qui pourrait se passer dans le couple si on prend une décision. La décision peut être prise par monsieur ou par madame ou par les deux. Oui, parce que cette décision pourrait se prendre. Faites très attention de bien la choisir, la décision. Parce qu'on voit des ennuis, la madame. Et puis j'ai le bonheur matériel, donc c'est parfait. Mais après j'ai les nuages et j'ai le serpent. Donc il y a quand même des soucis. Des soucis par rapport à ce qu'on pourrait avoir matériel. Donc des cadeaux, ce que l'on peut avoir gagné en travaillant, hein, tout simplement. Petit souci, mais jalousie. Beaucoup de jalousie. Oh, moi je m'en fous des gens jaloux, mais... Parfois, si vous êtes un peu sensible et que vous vous laissez happer par les énergies de cette personne jalouse, ça peut aussi créer des problèmes. Moi, je dis, ça ne m'atteint pas, je m'en fous. Mais vraiment, hein, je m'en fous, mais complètement. Mais celui qui fait attention, peut-être, au corps dira-t-on, ça peut être blessant. Voilà. Alors, en parlant de blessure, nous pourrions aussi... être blessé, j'ai un chirurgien, donc un petit souci de santé qui nécessiterait une petite intervention ou une grosse intervention chirurgicale, mais une chirurgie ou une blessure qui ne guérit pas comme elle le devrait, d'accord, mais ça va aller, hein, c'est pas quelque chose qui va, mais voilà, peut-être qu'il y a, alors c'est tout simplement aussi, on vous avertit, attention, parce que toi, tu ne prends pas tes cachets correctement, tes médicaments correctement, mais ça va pas le faire. Il faut que tu te... Si on te dit de ne pas te désinfecter, parce que parfois, on ne doit pas se désinfecter, par exemple, quand on a subi une intervention chirurgicale, on ne peut pas se désinfecter, sinon on ne guérit pas. Je sais ce que je dis. Donc, ça paraît puant et donc dégueulasse, mais si vous le faites... Si vous touchez à cette blessure d'opération, vous pourriez faire pire que bien. D'accord ? Donc ne faites pas n'importe quoi si vous avez une blessure. Ou si quelqu'un se blesse, réfléchissez bien avant d'appliquer un produit. Demandez conseil. Hein. Demandez conseil, d'accord ? C'est une mise en garde, en fait, ici aussi. C'est une mise en garde. Donc il y a le petit Lenormand aussi, il parle tellement... Voilà, j'essaie d'être vraiment de donner le plus d'éléments possible, parce que évidemment, si je ne donne qu'une chose, si je fais un tirage privé, évidemment, je ne parlerai pas comme ça, mais ici, c'est général, donc j'essaie de donner le plus de cas de figure possible, pour que vous puissiez vous y retrouver. Bon, voilà les amis, mais dans l'ensemble, comme vous le savez, vous pouvez absolument sauver toutes les situations. On pourrait aussi avoir une blessure dans la famille, une blessure où ça peut être la maison. La maison pourrait subir un préjudice. On pourrait aussi, quelque chose va s'abîmer dans la maison. Ou une malfaçon. Ou un ouvrier qui pourrait travailler dans la maison et boum, quelque chose qui se passe et ça pourrait créer des ennuis. Bon, il va couper le fil électrique, par exemple. Donc, des ennuis. Ça peut être ça aussi, tout simplement. Hein. Voilà.
Allez, je sais même pas, j'ai même pas regardé. Oh, 1h04. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite tout le bonheur du monde, une magnifique semaine. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, les amis. Gros bisous. Soyez positifs.